j'étais en train de prier à la maison pour cette soirée. I was praying at home for this evening. And une famille ici qui est de l'Ouest. Et j'ai vu un membre de cette famille, ou c'est un frère qu'on appelle Kamga, qui est fou. Et le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Kamga, qui est fou. Kamga, that is mad. Il était où? Where was he? Hein? If you say yeah, you tell her yeah. On l'appelle comment? How is he called? Achille qui? Kamga. Achille? Kamga. Il n'est pas venu aujourd'hui? Non. D'accord. Venez. Come. Venez les deux femmes, venez ici. Elles sont étonnées. They are shocked. Pourquoi il n'est pas venu ce soir? Why did he not come tonight? Hein? Mon père était surpris de le voir. Vous étiez surprise de le voir hier. D'accord. Il est venu seul. He came alone. Regardez. J'étais en train de prier à genoux dans ma chambre. I was praying. Vous êtes de l'Ouest, c'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes de l'Ouest. So. C'est ça? Oui, mon père. J'ai vu votre famille. I saw your family. Et j'ai vu and I saw Kamga et j'ai vu Kamga. La folie. And I saw et Dieu m'a dit de prier pour lui quand je vais arriver pour que la folie le libère, que la folie le libère immédiatement. Et ça, vous me suivez? Votre village c'est où? Votre village c'est où? Nous sommes de Banganté. Vous êtes de Banganté? C'est le voisin. C'est votre voisin. D'accord. Kamga, c'est votre voisin, n'est-ce pas? Kamga is your neighbor. Zamaris inau laita odelfonos no goros. Les premiers, je peux vous surprendre. Can je peux I vous aider. Oui, can I help you? Hein? Vous, ça c'est qui pour vous? Who is this to you? Hein? C'est ma grande, c'est mon père. C'est? C'est ma grande, c'est ma mère. Je suis avec elle. Hein? Je suis avec elle, c'est ma mère. Vous êtes la même famille? Oui, papa. Ça c'est qui pour vous, madame? Who is this to you? C'est votre fille. Regardez les deux dames-ci. Look at this. Le Seigneur visite leur famille ce soir et ses filles. J'ai déjà causé avec vous un jour. Est-ce que j'ai déjà causé avec vous un jour? Non, mon père. Vous dites que votre village c'est quoi? What do you say your village? C'est Baganté. Baganté. Zamata. Vous voyez, votre famille est une famille qui a beaucoup souffert. You see, your family de père en fils, de fils en de fils. De père en fils, de mère en fille. Votre famille, c'est une grande famille. C'est une famille puissante. Mais les gens n'arrivent pas à s'affirmer. Madame, ne pleurez pas. Hein. C'est la dernière fois que vous pleurez à cause des souffrances de votre famille. Vous me suivez? Are you getting me? Vous-même, votre vie, vous n'avez pas vécu la vie que vous devez vivre. Ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes frustré. Vous dites souvent que vous avez raté votre jeunesse. Mais Dieu me dit de vous parler. Les dernières années qui vous restent à vivre seront plus belles que les premières que vous avez vécues. Oh, Jésus! Oh, mon roi! Oh, mon guide! Mon papa! Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Dieu veut la recevoir. Vous voyez, maman, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Et je vais prier avec vous. Vous allez aller faire ce que je vais vous montrer ici. Vous comprenez? Oui, mon père. Dans le règne de l'esprit, le Seigneur m'a amené dans votre village. Village. Vous dites c'est Banganté, c'est ça? C'est Balengu, Balengu, hein? Balengu. C'est quoi? Balengu. C'est Balengu. Balengu. Son village c'est quoi? Balengu. C'est Balengu. Oui, papa. C'est à Baganté. Balengu à Baganté. Oui. Mais c'est Balengu, n'est-ce pas? Balengu à Baganté. Oui, papa. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Ok, regardez. Look. Dans le règne de l'esprit, l'esprit du Seigneur m'a amené dans votre village à Balengu, en passant par Baganté. Et je suis arrivé quelque part. J'ai vu comme un carrefour. Et dans ce carrefour, il y a des jeunes hommes avec les motos. On prend les motos à ce carrefour. On prend les motos, Il y a comme un arbre là-bas. Et c'est comme le centre. C'est comme un centre. Et il y a une route qu'on a tracée avec le caterpillar. Il y a une route qu'on a tracée qui descend. Et quand on descend cette route, pendant qu'on descend cette route, à gauche là-bas il y a l'école publique. Hein? À gauche il y a l'école publique. Il y a l'école publique à gauche. On traverse l'école publique. Après l'école publique il y a le marché. Hein? Il y a le marché. Et on descend. Lorsqu'on descend, je suis en train d'aller chez vous. Hein? Lorsqu'on descend, on arrive à un petit carrefour.
Zamariwa Inas Promitalefa. Quand on arrive à ce petit carrefour, on entre à gauche. Quand on entre à gauche, c'est une route, une petite route, c'est une route, une route mince. Hein? On commence à monter, c'est comme une petite montée. On monte parce qu'on traverse une petite rigole. Hein? On commence à monter. Quand on monte, on monte, on monte, votre maison est à droite. Hein? Votre maison est à droite. Zamari wa inna haslomi. Je prends lac na utalaf in asla. Papa Jésus m'a fini ce soir. Jésus vous a fini. Ce soir. Ça n'a même pas commencé. Laissez-moi vous étonner encore. Zo inna hello berosh. Je libère ton étoile ce soir au nom précieux de Jésus. Écoutez, madame, lorsqu'on arrive et qu'on commence à monter, il y a une maison. Il y a deux maisons. Et la troisième maison, c'est votre maison familiale. Hein? C'est votre maison familiale. Regardez. Je suis arrivé, j'ai commencé à monter. Quand j'ai commencé à monter, j'ai vu la première maison. La maison de papa André. Qui est votre voisin. J'ai traversé la maison de papa André. Je suis arrivé dans la maison de papa Nono. Qui est votre voisin immédiat. Et sa femme, c'est maman Monique. C'est après leur maison que je suis entré dans votre maison familiale. Oh mon père, oh j'ai souffert dans ma vie, oh j'ai souffert, oh j'ai prié, prié. Maintenant, écoutez. J'ai mangé la prière. Écoutez, écoutez, écoutez. Merci Seigneur, merci maman. Écoutez maman. Merci papa. À partir d'aujourd'hui, merci, papa, Jésus. As from today, merci, papa, Jésus. Quand je suis arrivé dans votre maison familiale, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu pour entrer, il y a quelque chose qu'on traverse comme ça. Hein? Il y a quelque chose qu'on traverse. C'est comme le caniveau qui passe devant la maison. Oui, et il y a une véranda qui est un peu élevée. Et votre véranda qui est élevée là, quand on descend de la véranda, parce que quand je suis entré, il y a un petit salon dans votre maison. Hein? Il y a un salon. Et j'ai vu des chaises en bois au salon. Il y a des chaises. J'ai vu une table. J'ai vu une table en bois avec un, deux, trois canapés. Et j'ai compté votre maison, une, deux, trois chambres. Et j'ai vu une cuisine. Et j'ai vu une porte qui sort derrière. C'est votre maison. D'accord, c'est votre maison, c'est ça, d'accord. Maintenant, lorsque je suis arrivé, avant d'entrer, avant de monter sur votre véranda, en bas, en bas de la véranda, au milieu, devant la véranda, il y a quelque chose qu'on a enterré qui bloque votre famille. Vous me suivez? Zamata Melos in Afloza. Je répète ceci. Demain, prenez la voiture, allez dans votre village. Quand vous arrivez devant votre maison, devant votre maison, avant de monter sur la véranda, il y a un endroit, les gazons poussent même là-bas, on racle tous les jours, les gazons poussent, on racle. Hein? Creusez devant votre maison, vous allez trouver une boîte là-bas. Et cette boîte n'existe pas aujourd'hui seulement. C'est depuis des années, Ça a déjà rouillé, c'est complètement transformé. On a fait des gris-gris, on a fait des maléfismes. Et on a enterré là-bas que personne dans cette maison ne réussira jamais. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons toute pratique de sorcellerie contre ma vie, que cela soit anathème au nom souverain de Jésus. Quand vous allez faire ça, vous avez l'huile de faveur. Et si vous avez l'huile de faveur, vous partez avec l'huile de faveur, vous creusez, vous versez l'huile de faveur, vous anéantissez ça. Vous verrez ce qui va se passer cette année. Les gens seront bénis, les mariages seront libérés, les finances seront libérées. Comme je vous touche, vous êtes guéri. Parce qu'elle ne se sent pas bien. Hein? Elle est malade. Je l'ai vue à l'hôpital. Elle ne va pas bien. Je l'ai vue à l'hôpital. Zamari wa inna haslomi. Donnez son téléphone. Donnez où son téléphone. Dans mon téléphone. Oh, dans mon téléphone. Oui, elle veut monter quelque chose dans son téléphone. Elle s'est bien massée là. Montrez.
Montez à la caméra. Voici. Où est la caméra? Voici. Oui, montrez. Voici ça. Voici ça. Voici ça. Où le Seigneur m'a guéri à la maison. Il m'a dit de ne pas partir à l'hôpital. Oh, voilà ça. Voilà ça. Voilà. Oh, oh voilà, Papa Jésus. Oh, oh Papa Jésus. Merci malade, pour le prophète Ekane Ferdinand. Oh, merci. Oh, oh, tu nous as envoyé ton fils. Oh, merci Seigneur Jésus. Zamate wa inna hello beros. Chlorazo, 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 chlorazo. Oh, oh. Maintenant, est-ce que vous avez dit à quelqu'un dans la salle que maman était malade? Vous n'avez dit ça à personne? Non. J'ai fait comment pour le savoir? Non, non, écoutez, Jésus-Christ a visité bien ma sœur ce soir. Je vous dis la vérité. Maintenant, regardez. Maman, le Seigneur vous guérit immédiatement, c'est fini. Et Dieu bénit vos finances. Allez faire ce que je vous demande de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le carrefour de Benskinor, c'est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de votre village? Hein? Qui connaît les Benskinor qui sont là? Je vais vous montrer quelque chose. Hein? Qui connaît les Benskinor qui gardent là? Quelques Benskinor? Hein? Quoi? Je veux quelqu'un qui connaît les Benskinor. C'est la même famille, t'as dit. Hein? C'est la même famille. C'est votre belle famille. C'est la même famille. Hein? La même famille. Vous êtes la même famille. Oui, t'as dit. Je demande ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le village là, c'est encore quoi? Langou. Hein? Balengou, papa, Balengou. Quoi? Balengou. Balengou, n'est-ce pas? Oui, papa. Je demande qu'au carrefour, si. Le carrefour Balengou, où il y a les Benskinor, si, ou quand on arrive, on prend la moto, si. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît les noms des Benskinor qui sont là, ou qui connaît quelqu'un personnellement qui fait le Benskin là-bas? Je cherche quelqu'un comme ça pour lui donner le nom du Benskinor qui va porter les mamans si le jour elles vont arriver là-bas. Allez faire ce que je vous ai demandé. Vous comprenez? Quand vous allez arriver dans votre village, quand la voiture va vous déposer, hein? La voiture va vous déposer à la gare routière. Et là-bas, vous allez prendre la moto. Il y a un jeune homme qui va venir vous porter. Demandez-lui son nom. Il vous dira, je m'appelle Bernard. Et vous saurez que l'Éternel a décidé de combattre en votre faveur ce soir. Amen. Dis mon Père et mon Jésus. Say my Father and...